Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. L'hélicoptère va venir te chercher. C'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgane. Comme au bon vieux temps. Bonjour, Monsieur Yu. Installez-vous, nous allons décoller. Le complexe de Transtar est tout près d'ici. La température est de 25 degrés. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. Vu d'ici. À la vitre en sortant. Bonne chance! Bonjour, Docteur Yu. Bienvenue, Morgane Yu. Vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. Morgane, enfin. Hey, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. Et ton œil, toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur Yu, votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Écoute, sois toi-même. On se voit après. Bonjour, Morgane. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Tout va bien ? Formidable. Commençons. Bonjour, Morgane. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Vous avez un rendez-vous avec Alex à 9h dans son bureau.
La durée de la réunion est indéterminée. Une réunion est prévue à 15h dans la salle de conférence A de Transstar afin de valider les plans de recherche et développement. Veuillez confirmer votre présence à l'avance. Les résultats des derniers tests psychotroniques. Bonjour Morgane. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Vous avez un rendez-vous avec Alex à 9h dans son bureau. La durée de la réunion est indéterminée. Bonjour Morgane. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Bonjour Morgane. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. C'est ma tasse ? Elle est vide. Alex, Simmons, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Et concernant Morgane, il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendu. Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. Thank you.
entre Phantasmus. Ne vous arrêtez pas. Star donnerait tout pour être plus fort et plus rapide à l'heure actuelle. Bon, rejoignons le Grand Hall. Vous avez réussi. Êtes-vous prêt à voir le monde pour la première fois ? Salut Morgan. Dure journée, hein? Sûrement si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolé, mais c'est permanent. Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur, une sorte de sauvegarde de toi et moi. Il sait tout ce que t'as oublié. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les Typhoons. On a calqué leurs schémas neuronaux sur les nôtres. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire. Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que tu as oublié. Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. Mais quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. La question est, pourquoi ? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Pour l'instant, bon sang, je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, s'il te plaît. Je suis navré, Morgan. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Il va falloir improviser.
Je vous suggère de fouiller l'atelier du docteur Calvino, dans les laboratoires techniques. C'est lui qui a inventé le miroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions au serveur. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Bonjour, Morgan. Vous n'allez pas aimer ce que j'ai à vous dire. Tu dois détruire Talos One. Les recherches, les typhoons, rien ne doit survivre. Toi y compris. C'est insensé, je sais, mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Elles font partie de toi maintenant. Si ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolé, j'aimerais qu'il y ait une autre solution.
January peut expliquer comment activer le mécanisme d'autodestruction. Alex essayera de t'en empêcher. Il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour entrer chez papa et maman la queue entre les jambes. Tout repose sur toi. Bonne chance. Je t'avais dit que t'aimerais pas. Calibre ton psychoscope. Essaie de scanner les spécimens de Typhoon autour de toi.
Une fois que tu auras suffisamment de données, les labos s'ouvriront. Mais surtout, tu pourras installer des neuromodes de Typhoon. Plus rien ne pourra t'arrêter. On touche enfin au but, Morgane. Tu as passé 3 ans de ta vie à rendre ça possible. Nous inoculer leur pouvoir. Tu l'as simplement oublié. Qu'est-ce qui se passe? Ne les laisse pas t'infliger ça. Si on est caché. Qu'est-ce que ça fait? Tu te souviens? La première fois, tu avais dit que c'était comme être à l'extérieur de toi-même. Comme si le temps lui-même s'était agenouillé, attendant ta décision. Tu as fait bouger ma chaise sans la toucher. Ça m'a donné des frissons. Tant de possibilités. Tu as évolué en quelque chose d'autre ce jour-là, quelque chose de supérieur. Dès cet instant, j'ai su que notre mission était d'élever l'humanité de la même manière. Bonjour, Docteur Yu. Regarde bien. Tout ce qui est arrivé sur Talos One a commencé ici. Tu étais tellement enthousiaste au début. Mon erreur a été d'accepter que tu sois au centre des tests. C'est là que j'ai commencé à te perdre. Nous sommes sur le point de comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils construisent. Il me faut juste un peu plus de temps. C'est ce que je craignais. Les scientifiques présents ici étaient en plein travail quand ils sont morts. L'accès au TEG est fermé pendant les expériences. Protocole de sécurité. Vous devrez terminer ce qu'ils avaient commencé. Dans les années 60 et 70, les premières équipes de chercheurs ont tenté de communiquer avec des Typhoons. Mais ça s'est avéré impossible. Leur structure cérébrale est hautement développée et intentionnelle. Mais d'une certaine façon, elle est inaccessible. Ils ne présentent aucun langage propre. Ils ne semblent même pas nous voir. Enfin, pas comme nous nous percevons, nous. Je généralise en disant nous. Je suis bien conscient de ne pas être humain. Pas comme vous. Procédure d'examen en cours. Bâtiment verrouillé jusqu'à la fin de la procédure. Attention, salle d'examen compromise. Attention, salle d'examen compromise. Attention, salle d'examen compromise. Les gens ont trop fait d'attribuer les comportements humains aux choses qu'ils ne comprennent pas. Les Typhoons nous tuent sans la moindre hésitation. Mais ce n'est pas par méchanceté, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Tu sais ce qu'on a découvert. Opérateur, à l'approche. Ils n'ont pas de neurones miroirs. Malgré leur formidable capacité, il y a une chose dont ils sont incapables. Ressentir de l'empathie pour une autre créature vivante. Microgravité détectée. Ils te prennent pour quelque chose, monstre. C'est à nous entendre. Cherchons projette les nouvelles lignées cellulaires. Elle les combat comme le ferait un antivirus. Tout l'écosystème des Typhoons semble basé sur la création de cette substance.
Les premiers chercheurs l'ont appelé corail. C'est splendide. Mais nous ne sommes pas certains de son utilité. Il ne s'est jamais étendu au-delà du cylindre de confinement. Jusqu'à maintenant. Mika, ici le chef de la sécurité, Lazare. Vous me recevez ? Sarah ? Oui, je vous reçois. J'ai tenté de me connecter au système de haut-parleurs. Mon équipe se trouve dans la zone de fret, mais ces choses aussi. Elles sont partout. Vérifiez tout ce qui vous entoure. Tapez dessus un bon coup avec une clé à griffe. Commencez par vérifier la clé à griffe. Sam, il a raison. Ces choses, cognez tout ce qui tient debout pour voir si ça vous saute dessus. Trouvez un endroit sûr. Et quand vous serez en sécurité, appelez-moi par Transcribe. Je vous envoie un contact sécurisé. C'est compris ? Compris. Vous avez réussi. Beau travail. L'entrée du stockage se trouve derrière l'arboretum. Le bureau de votre frère se trouve aussi là-haut. Jupiter dans son palais, au sommet des cieux. C'est ce que vous disiez dans son dos. Mais dans ce cas, vous seriez qui ? Neptune ? Pluton ? Ne vous en approchez pas. Tant que vous y êtes, vous pourriez regarder pourquoi l'ascenseur est bloqué. Ce serait bien plus rapide et plus sûr que de devoir retraverser les TEG. Gravité normale détectée.
Ils ont peur. Et si on l'anesthésie ? Non. Rien ne doit perturber la formation de souvenirs. Morgane ? Morgane, ici le chef Elazar. Les SAS sont fermés sur Talos, mais il y a une ouverture dans la zone de fret que vous pourriez utiliser. Je pense que vous pourriez retourner dans la station à partir de là. Ici le docteur Dayo Igwe. Ceci est un appel à tous les contacts à proximité. Je vous en prie, qui que vous soyez, écoutez-moi. Je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai pas de combinaison. Un accident dans la zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur. Mais je n'ai aucun moyen de m'amarrer de nouveau à la station. Je pensais que cette caisse serait ma dernière demeure. Même l'air vicié de Talos, ce mélange de nicotine et d'antibactérien, a comme une odeur de printemps. Je vous remercie, Docteur Yu. Mais je pensais... Eh bien, vous avez quitté votre roue de laboratoire mémoriel, à ce que je vois. J'espère que vous venez me chercher. J'apprécierais de voir un visage familier. Je vous transmets le code de la caisse dans laquelle je me trouvais. Vous avez trouvé le docteur Igwe. Il travaillait dans le laboratoire de simulation et au département psychotronique. Il pourrait vous être utile. Mais il n'approuvera probablement pas votre mission, malgré tout ce qu'il a enduré. Je remarque toutefois qu'il vous a toujours admiré, Alex et vous. Docteur Yu ! Morgane ! Là-haut, c'est l'officier Cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Docteur Yu, j'aimerais de nouveau vous remercier pour le sauvetage. Vous vous souvenez de moi ? Je suis le docteur Igwe, Dayo Igwe. Votre frère Alex m'a fait venir sur la station pour mener la recherche sur les neuromodes. J'en ai bien un, mais dépourvu de schéma d'aptitude. Et je le gardais au cas où, mais c'est sans doute le moment. Tenez, vous en ferez sûrement meilleur usage. Morgane Yu, je suis étonné de voir que vous avez réussi à fuir le labo de simulation. Oui, je suis au courant. J'ai vérifié les journaux des navettes quand les rumeurs concernant votre rétrogradation ont commencé à circuler. Ce que j'ai découvert ? Votre entrée dans le labo de simulation, mais aucune mention de votre sortie. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais il semblerait que vous ayez réussi à vous échapper. Tout comme vos créatures, celles qui ne pouvaient pas sortir d'après votre frère. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. On tient le choc, mais c'est difficile. Ces PPN standards ne nous sont d'aucune utilité face à ces choses. Le seul moyen de revenir dans Talos est de passer par la zone de Fred B. Et elle est verrouillée pour notre sécurité. Et la vôtre. Vous voulez le code ? Aidez-nous à renforcer nos défenses. Ça veut dire mettre sur pied plusieurs tourelles éradicatrices. Pour ce faire, eh bien, il nous faudrait des plans de fabrication et un fabricateur en état de marche. Mais les deux sont hors de portée pour l'instant.
Les plans de fabrication sont dans le coffre du bureau de la sécurité, mais il est hors de portée à cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. J'espère que cet opérateur médical est opérationnel, parce qu'on va avoir besoin de lui après ça. Officier Maddox, prête. C'est parti! Préparez-vous au combat! Les TEA sont activés et réglés. J'ai hâte que nos petits amis y goûtent. Voilà le code de la zone de fret B. Inutile de... Saloperie de PPN. Ces chargeurs minuscules sont bons pour les civils. Je t'aime, maman. À bientôt en enfer, papa. Vous êtes tous prêts? On n'aura pas de deuxième chance. Munitions, check. Respiration, check. Trouillomètre, check. Peu importe ce qui passe par cette porte, tirez. Ne laissez pas les tourelles faire tout le boulot. Il y en aura assez pour tout le monde. Avant d'ouvrir cette porte, vérifiez les alentours. Faites-en une image mentale. Si vous voyez un truc en double, faites en sorte de savoir sur quelle cible tirer. J'avais pas réalisé à quel point les combats me manquaient. Et à quel point ils ne me manquaient pas. On a gagné. Je suis encore... Morgane, vous nous avez sauvé les miches. Et maintenant, si vous sortiez et alliez en sauver d'autres, ça pourrait être bien. Morgane se dirige vers vous. Vous et tous ceux qui sont avec vous, êtes prévenus. Ne la battez pas par accident, ni vos droits. Vous pensez qu'il était sur terre? Morgane, ici Michaela. Je n'ai pas pensé à vérifier ton transcribe. Je ne sais pas comment tu as pu arriver là. Je pensais que tu n'étais plus là parce que... Non, rien. Les sas et ascenseurs sont bloqués. Tout comme mes poumons. Ma paraplexie. Je commence même à voir des taches. Tu avais raison. Même si je parvenais à mettre la main sur les injections dans mon bureau. Cependant, je pense que je peux nous sortir de là en utilisant le réacteur principal pour lever le verrouillage. Je sais que ça a l'air dingue, mais je peux te guider dans la procédure. Je le ferai bien moi-même, mais... Bon, contente-toi d'y aller, d'accord ? J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, bien plus tôt que prévu. Ce truc sortait d'où ? C'était Tony ? Le regard qu'il m'a lancé. Je me lèverais bien. Si mes jambes me laissaient faire. Et mes poumons. Et mon système nerveux. On n'avait pas cette tête.
paraplexie, tu te souviens? Tu m'avais prévenu. Les injections sont dans mon bureau. J'y arriverai jamais dans cet état-là. Mais les ascenseurs... J'étais sérieuse tout à l'heure. Je crois qu'on peut contourner le verrouillage. La salle de contrôle du réacteur. On peut tout mettre hors tension depuis là-bas. Toute la station. L'ordinateur essaiera de t'en empêcher. Ne l'écoute pas. Ensuite, prie pour que les systèmes se rétablissent quand tu redémarreras le réacteur. Ça devrait fonctionner. Non, ça va fonctionner. Vas-y, pars. Certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâtons dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Viens dans mon bureau. Oh merde, Morgan. Je suis décidément pas au bout de mes surprises avec toi. S'il te plaît, dans ma nuque, essaye de trouver les marques. C'était plus difficile quand je le faisais moi-même. Putain, c'est bon, j'arrive à respirer. Et à sentir mes jambes. Toujours quelques taches devant mes yeux, mais elles devraient bientôt disparaître. Merci, Morgan. Niveau dangereux de gaz. Je vais demander comment vous réagiriez en trouvant Mikaela. Vous avez risqué votre vie pour l'aider. Ça me laisse penser que l'extraction de neurones n'a pas tout effacé. Pas totalement. Peut-être que les souvenirs les plus vivaces laissent des impressions résiduelles. Des formes de réminiscence. Ou peut-être possédez-vous plus d'empathie que je ne croyais. Êtes-vous certain qu'il n'aurait pas mieux valu... Sans vouloir être insensible... J'ai peur que sa réaction ne soit démesurée quand elle apprendra que vous désirez détruire Talos One. Après tout, il n'y a aucun moyen d'évacuation. Réparation ait été effectuée. J'ai trouvé ton bureau, Morgan. C'est donc là que passe tout l'argent de Transtar. Chef Ilyushin, vous êtes vivante. Igwe, vous vous en êtes tirée? Ingénieur en chef Ilyushin. Hein? C'est quoi ça? Morgan, est-ce que... Non, c'est... Je suis January. L'opérateur personnel de Morgan Yu. La même voix? Tu parles d'un problème d'ego? Bon, nous sommes donc trois, enfin quatre. Y a quelqu'un d'autre des labos du département psychotronique? C'est le poste de travail de Morgan? Et un fabricateur? S'il vous plaît, chef Ilyushin. Morgan, viens ici, quand tu en auras l'occasion. Thank you.
pas de piège. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité, comme promis. Il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur, une autre vidéo. Regarde-la, on parlera ensuite. Je t'envoie le mot de passe, enfin, si tu n'as pas déjà piraté le système. Je m'appelle Morgan Yu. Nous sommes en 2035. Je suis sur la station de recherche Talos One. Quoi d'autre ? Pourquoi faisons-nous cette vidéo ? Ah oui, parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux neuromodes. Peu importe, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je veux dire, regarde un peu. On a réussi, Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure, parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais, et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon. Les organismes Typhoon semblent produire une structure élaborée, un matériau inconnu, un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale, mais externe. On attend les analyses pour confirmer. En attendant, j'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer, en cas de fuite du sujet. Alex doit juste s'armer de courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tout faire sauter? Ça nous sauvera pas. Et si ça marche? Ça vaudra le coup? Les gens qui nous succéderont seront plus forts, plus doués, immortels. Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. C'est bon. Je suis prêt. Bon. Eh bien voilà. Tout ce que j'ai fait, c'était toi qui me l'avais demandé. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. À cause des tests, tu as changé. Pas beaucoup au début, mais à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. C'est le seul moyen d'arrêter les typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. Et je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser, mais tu l'auras. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. Morgan, cette vidéo est... Je la confronte encore à mes directives. Mais si scanner le corail vous permet d'accéder à la clé d'armement d'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera peut-être votre décision de détruire Talos One. Soyez prudent. Il nous reste peu de temps. Microgravité détectée. Je pensais à la vidéo qu'Alex vous a montrée. Pour votre frère, cette version de vous est le véritable Morgan. Mais pourquoi? Simplement parce qu'il était là avant vous? Si quelqu'un vous avait fabriqué, alors je suppose que votre véritable nature serait celle qui remplit le mieux les fonctions que votre créateur a programmées. Je sais qui m'a fabriqué, et dans quel but. Morgan, quelqu'un vous a-t-il fabriqué? Remplissez-vous une fonction. Si vous n'en avez pas, ce sera à vous-même de la définir, ou de vous en affranchir totalement. Étrangement, je sais beaucoup de choses sur vous, mais je ne connais pas vos convictions. Ce sera à vous de décider, Morgan. Qui êtes-vous? Je ne voudrais pas t'alarmer, mais il y a eu un lancement depuis la plateforme Argus. Le conseil d'administration a eu vent de la situation ici. J'imagine que ça devait arriver, malgré mes efforts. C'est pourquoi nous devons agir rapidement et efficacement. Ils vont tout faire pour reprendre les choses en main.
scan terminé. D'autres spécimens sont... Fascinant. Ça contient la psyché de toutes leurs victimes. Ton intuition était bonne. C'est une sorte de structure neurale. Elle est parcourue par une activité synaptique, comme si elle communiquait. Plus qu'un. Je savais que je pouvais compter sur toi. Notre père m'avait conseillé de ne pas miser le futur de la société sur tes idées. J'ai bien fait de l'ignorer. On fait une bonne équipe. Vous feriez mieux d'agir. Le processus de reconstruction n'est pas stable. Il te ment. Faites vite. Cherche terminé. Excellent travail. Il ne reste plus qu'à intégrer les données une fois le transfert terminé. Le résumé du scan n'est pas très clair, mais... Attends. Il y a une sorte de sécurité neurale intégrée au corail. Bon sang, Morgan, retourne à mon bureau. Il faut qu'on transfère tes données immédiatement. Fais vite. Utilise mon terminal pour transférer les données. Je les intégrerai dans le plan de fabrication de l'émetteur d'ondes zéro aussi vite que possible. Et fais attention. Les typhoons vont commencer à flairer notre intention d'endommager le corail. Ils vont essayer de t'en empêcher. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau. Walter Dahl, le conseil d'administration de Transtar m'a autorisé à prendre, dès à présent, le commandement intégral de Talos One. Tous les employés doivent se rendre à la zone d'accès aux navettes pour évacuation. Que ceux qui ne peuvent pas obtempérer envoient un SOS. Les opérateurs vous localiseront. Une dernière chose. Alex et Morgan Yu ont été relevés de leurs fonctions. N'acceptez pas leur retour. Bon après-midi, Talos. Rappel de sécurité. Les post-it, même bien cachés, ne sont pas un moyen sécurisé de vous souvenir du mot de passe de votre poste de travail. Attention! Morgan, je craignais que Dahl ou son équipe de sauvetage ne vous soit tombée dessus. Ce sont des opérateurs Black Box NCN-9, pas une équipe de sauvetage. Le sauvetage ne fait pas partie de leurs compétences. January, c'est pas le moment. Oui, bien entendu. Mais l'arrivée de Dahl pourrait nous être utile, tant qu'il reste vivant.
Vous savez sans doute qu'il a reçu plusieurs neuromodes. Un mélange banal de combat, de tactique et d'interrogation. Votre père et le Conseil ne font pas les choses à moitié. Docteur Igwe, veuillez présenter vos conclusions à Morgan. Igwe, votre idée serait de... Ah, d'accord. Eh bien, voyez-vous, les modes de Dahl sont des bêtas de série C. Ils sont vulnérables. Il a, de ce fait, des positions un peu rétrogrades sur certains sujets. Si on les lui retirait, il oublierait peut-être sa mission ici. Mais nous aurions malgré tout accès à sa navette pour rentrer chez nous. À condition que ses capacités de pilotage ne soient pas altérées. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, selon moi. Il faudra évidemment le maîtriser. Je crains que cette tâche ne vous revienne. Personne d'autre dans cette station n'est capable de piloter la navette. Ça vaut le coup d'essayer. Et il y a eu bien assez de morts. Suppléant du conseil d'administration de Transtar. J'ai besoin Alpha d'un identifiant check, pour affirmatif. Autoriser cette mission. Bien sûr. Mes identifiants sont Zeta, Invictus, Empereur, Mandarine. Ça correspond. Bonjour, Directeur Yu. La navette est en orbite et prête à l'emploi. J'attends les paramètres de la mission. RAF. Vous devez sécuriser toute technologie et recherche de niveau d'habilitation Cobalt sur Talos One. Ensuite, éliminer tout le personnel de Transtar. Tout le personnel. Aucun survivant. C'est vous qui décidez. Instrument négatif. Aucune cible en vue. Ce sont eux qui meurent. L'argent sera transféré sur 6 comptes différents au Benelux dès que vous aurez fourni une preuve du succès de l'opération. Je laisse tourner la diffusion de mon opérateur. Profitez du spectacle. Nous vous recommandons de déployer préalablement votre technicien dans le pare-feu d'un routeur de la station. Idéalement à l'extérieur de la station. Près du réseau électrique de la centrale. Oui, j'ai vu les plans, Monsieur Yu. Au revoir. Veuillez supprimer cette transmission. Microgravité détectée. Je vois que mes opérateurs sont planqués dans les frais de RH dans les registres de Transtar. C'est vrai que je résous les problèmes des gens. Vos collègues cachés dans la zone de fret vont mourir asphyxiés dans quelques minutes. Vous pouvez peut-être les sauver. Mais pour ça, le rat que vous êtes va devoir sortir des murs. Système de support de vie. L'heure tourne. Morgan, Dahl a coupé l'oxygène dans la zone de fret. Il n'y a rien que je puisse faire d'ici, et aucune des portes ne fonctionne. La salle de contrôle de l'atmosphère se trouve dans le système de support de vie. Si vous pouvez nous aider, faites-le vite, ou cette conversation sera notre dernière. Madame Elazar a raison d'être inquiète, même si son hypothèse est erronée. Dahl manipule le mélange oxygène-azote. L'azote répandu dans l'atmosphère asphyxie la présente dans la zone de fret bien plus vite que s'il avait simplement coupé l'oxygène. Je pense qu'il serait déjà mort si Dahl ne s'en servait pas d'un pour manipuler. Les portes fonctionnent à nouveau, Morgan. Beau travail. J'emmène ce qui reste de mon équipe à la salle de contrôle de l'atmosphère, dans le système de support de vie.
Nous allons défoncer toutes les saloperies d'opérateurs de Dal et nous assurer qu'aucune nouvelle défaillance ne vienne perturber le circuit d'air de la station. L'image de Dal est entièrement constituée d'opérateurs customisés. Il a fait l'erreur de placer ses espoirs dans une machine. Les êtres de chair et de sang sont chaotiques, Morgan. Mais c'est tout ce qui compte au final. Beau travail. Le transfert a repris. Retrouve-moi à l'arboretum. Une tâche importante nous attend. J'adore parler avec vous. J'ai l'impression que je peux tout vous dire. Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé votre frère. On l'a fait sortir de sa grotte secrète de PDG il y a quelques minutes. Et maintenant, je vais l'exécuter. Comment est-ce que... vous voulez peut-être lui dire adieu? Morgan, le plan pour... Vérification. Il avait des trucs contact. Épanés. Je vous les garde aujourd'hui. Angle de tir, zéro. Juste le temps d'essuyer le sang qui se trouve dessus. Venez les chercher quand vous voulez. D'accord? Je t'ai promis ma clé d'armement. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Ensuite, tu pourras désintégrer Talos One si tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Tu ne le feras pas. Je le sais. Je le sais parce que je pensais qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu sans faire brûler la maison. Mais tu m'as convaincu. Tu m'as montré que tout était possible, même si le prix à payer était lourd. Cette partie de toi est encore là. Nous pouvons entrer dans l'histoire. Pas ces sangsues du conseil d'administration de Transtar, pas nos parents. Toi et moi. Exactement comme prévu. Nous avons les données qui confirment ce que tu soupçonnais. Le corail est en train de diffuser un signal neural. Un message secret envoyé vers les étoiles. Ce que je veux savoir, c'est quel est ce message? Et qui peut bien l'écouter? Je crois que tu le sais. Tu le sais depuis les tests sur les neuromodes de Typhoon. Tu le savais. Tu vois, ce plan de fabrication est celui du prototype d'émetteur d'onde zéro. Il piratera le signal du corail et enverra un puissant choc à tous les organismes Typhoon d'un coup. Prends-le. Et la clé d'armement, comme je... Quoi ? Morgane !
plusieurs brèches dans la coque. Morgan, je crois en toi. Fais ce qu'il faut. Morgan, merci pour ce que tu as fait. Tu aurais pu me laisser mourir. Il est plus important que jamais qu'on termine tout ça comme il se doit. Occupe-toi de l'émetteur d'onde zéro. J'irai sur la passerelle dès que j'aurai repris mes esprits. Un risque à courir. Mais nous avons vu le générateur fonctionner. Détruire tout cela, éliminer une espèce et perdre les recherches, c'est... January a raison, Morgan. Nous ne pouvons pas laisser ces atrocités atteindre la Terre. Si ne serait-ce que l'un d'entre eux atteignait notre planète. Morgan, je vous en prie. La destruction de la station devrait être notre dernier recours, pas le premier. Docteur Yu, ici le Docteur Igwe. Nous tenons le sujet, Dal, et ses constantes sont stables. Merci. Nous le préparons dans le département Neuromode. Venez dès que vous pouvez. Docteur Yu, Morgan, je craignais que vous n'arriviez pas. Le sujet, Dal, est solidement attaché. Je pense avoir isolé le bon Neuromode. Il est essentiel d'en dire le moins possible sur ce qui s'est passé dans la station et de rester concentré sur la situation. Dal, si sa mémoire fonctionne, devrait réagir en conséquence. Il n'est pas du genre à contester les ordres. C'est quand vous voulez, Morgan. N'oubliez pas, si ça fonctionne, pas un mot, compris ? Si vous hésitez, laissez-moi vous rappeler que l'extraction ne peut pas nous nuire davantage. Juste nous faire perdre du temps. Quoi ? Qui êtes-vous ? Morgan ? De votre père ? A demandé de vos nouvelles. Et d'Alex aussi. Je devais lui faire un rapport de récupération après une installation de mode. Où est-ce que je suis ? Pourquoi vous m'avez attaché ? Commandant Dal, je suis le docteur Igwe, le médecin-chef. Vous avez... J'ai déjà vu votre visage dans le registre des employés. Le larbin d'Alex. Le parapsychologue discrédité. Ah. Commandant Dal, vous souffrez d'une grave blessure à la tête suite à... une crise au sein de la station. Nous devons évacuer immédiatement, mais nous ne pouvions partir sans vous. Êtes-vous capable de piloter une navette ? Quoi ? Oui, bien sûr que je peux piloter une. Attendez, de quelle crise vous parlez ? On est sur la plateforme Argus. Où est Caspar ? Nous n'avons pas le temps de vous expliquer. Nous devons rejoindre les navettes et nous préparer au départ. Demandez par Transtar. Yu vous le confirmera. Évidemment. Morgan, vous avez une sale gueule. Allez, exfiltrons le fils à papa de cette station, ou Transtar va me blacklister.
J'aimerais juste vérifier vos constantes. Notre pilote ne doit pas s'évanouir. Je vais très bien, merci. J'étais conçu pour prévoir ce que vous allez faire. Et pourtant, cette tournure des événements avec Dal, je suis impressionné et surpris que vous ayez trouvé un moyen de sauver l'équipage restant. Votre sacrifice sera connu de tous, j'en suis certain. Donnez-lui de l'adrénaline. Ensuite, une autre dose de lignée cellulaire de Morgan. Encore ? Mais... Allez-y. Beau travail. Le réacteur est activé. Il pourrait délivrer près de 30 mégatonnes d'énergie. C'est plus que suffisant. Je vous retrouve sur la passerelle pour la dernière étape. Dépêchez-vous, Morgan. Il n'y aura plus rien à faire sauter si nous arrivons trop tard. Morgan, Igwe, des nouvelles de notre patient ? Le commandant Dal se remet rapidement et nous nous dirigeons actuellement vers la zone d'accès aux navettes. Je l'ai informé de la situation de la station et... Très bien. Morgan, on se retrouve dans la zone d'accès aux navettes. À qui ? À quoi est-ce que je parle ? Je m'appelle January 2035. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One, mais Morgan... Morgan ? Peut-être. Je vois quelqu'un qui ressemble à Morgan Yu. Morgan, faites attention. Votre frère est agité. Il pourrait vous empêcher d'activer l'autodestruction. De plus, il est armé. Agité ? Tu plaisantes, opérateur. Tu as laissé cette machine t'empoisonner l'esprit. L'opérateur t'a dit qu'il ne te laisserait pas t'échapper de la station. Vas-y, dis-lui. Votre frère a raison. Mes ordres sont de faire en sorte que vous périssiez dans la destruction de Talos One. Mais vous le saviez déjà. C'était votre idée. Aucune personne saine d'esprit n'accepterait un tel plan. Faux. L'histoire regorge de sacrifices faits pour le bien commun. Facile à dire quand il ne s'agit pas de ta peau, boîte de conserve. Je suis désolé, Morgan. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Je vais mettre un terme à cette farce. Votre frère a simplement perdu connaissance. Bien entendu, cela n'aura plus d'importance quand vous aurez activé l'autodestruction. Vous comptez toujours détruire la station, n'est-ce pas ? N'oubliez pas que je ne fais que suivre vos ordres. Attention, explosion durable. C'est terminé. Tous les ordres que vous m'avez donnés ont été accomplis. Tous, sauf un. La destruction de la station fera disparaître le Typhoon Apex et toute trace de la technologie qu'il a engendrée. Vous y compris. Mais ça, vous le saviez déjà. Après tout, c'était votre idée. Les neuromodes extraterrestres que vous portez constituent une menace trop grande pour que vous rentriez sur Terre. Asseyez-vous, Morgan. Autant passer vos derniers instants à profiter de la vue. Attention. Explosion du réacteur imminente. Veuillez évacuer Talos One. Tout ira bien. J'ai réussi à réparer un module d'évacuation. Vraiment ? Morgan, il y a quelque chose qui cloche. On n'a pas le temps. Faites-moi confiance. On se retrouve sur Terre.
Attention, explosion du réacteur imminente. Veuillez évacuer Talos One. Imminente. Veuillez évacuer Talos One. Je lance les manœuvres de débarquement. Les vérifications d'avant décollage, on s'en tape. Cramponnez-vous bien, ça va secouer. Je fais toujours ce rêve. C'est terminé. Comment ça s'est passé? L'activation des neurones miroirs semble prometteuse. Le quotient d'empathie est incroyablement élevé. Cette chose doit penser que ce n'était qu'un rêve, que ça n'avait pas d'importance. Vous supposez que nous avons le même raisonnement? Sa vie en dépend. La nôtre aussi. Au final, tout dépend des choix que cette chose a fait. Elle m'a sauvé du conteneur. J'aurais pu y mourir étouffé. Elle a installé plusieurs neuromodes Typhoon. Cela pourrait pointer vers une volonté instinctive de retourner auprès de ses semblables. Ou une tentative de faire cohabiter ces deux natures. Mais le plus surprenant, c'est que cette chose a épargné Dal. Elle n'a peut-être agi que par pur égoïsme. Mais en attendant, cela a permis aux rescapés d'évacuer Talos One. Michaela? Sans mes médicaments, je serais morte. Ce n'était pas une décision facile. Je pense que ça en dit beaucoup sur son cœur. Vous pensez que c'est le mot, cœur? La laisseriez-vous vivre? Oui. Sarah, à votre tour. Cette chose m'a tué. On ne peut pas ignorer ça. Elle a aussi éliminé un grand nombre de typhoons. Qui sait ce que ça veut dire? Daniel, qu'en dites-vous? Elle m'a jamais vue. Et elle n'a jamais croisé le chemin du volontaire 37. Impossible de dire ce qui aurait pu se passer. Les Typhoons ont tué la plupart des humains qu'ils possédaient. Non pas qu'on aurait pu éviter tout cela, mais... je pense que c'est trop risqué. Au final, elle a opté pour la destruction de Talos One. Pourquoi? Pour protéger la Terre? Il nous est impossible de définir ce qui l'a motivée dans ses actes. Il faut que nous prenions une décision. Tu nous entends, n'est-ce pas? Là, il faut que tu vois quelque chose. Ce que tu as vécu était une reconstitution des souvenirs de Morgane. Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons passé des années à essayer d'assimiler tes facultés. Mais nous n'avons jamais voulu aliéner ta vraie nature. Jusqu'à maintenant, tu es le lien entre nos deux espèces. Il faut que je sache si tu nous vois. Si tu nous vois réellement. Si c'est le cas, prends ma main. On va secouer tout ça, comme au bon vieux temps.